parole. Il y a des clous, mais il ne va pas me faire ça. Moi, je connais. Sénateur Sorel, vous avez la parole. Continuez, sénateur Sorel. Non, président. Si je sortis dans le magasin, si je sortis dans le magasin, avec tout article, toute marchandise, je ne vais pas payer, il y a plein de codes sur moi. Président me dit tout ça, c'est pour me rappeler, coup de collègue. Le budget national, c'est 144 milliards de gouttes qui totalisent. Motion accordée. Qui totalise. Motion accordée. Président, nous comprenons qui côté collègue là, les rivets, et côté le bralé, un pile collègue toujours, malheureusement collègue Willow va là, toujours faire remarque ça chaque fois collègue Joël a fait intervention dans ce sens-là, là, sens qui est orienté. Collègue Sorel, la loi li gon portée générale et la loi dispose non seulement pour les présents, mais pour non, on dit présent tout, parce que ça fonctionne des réalités qu'on y a là, on a fait loi pour nous faire projection sur l'avenir. Donc ça veut dire exactement, on parle du budget national là, et le fait que le budget nous c'est dans le niveau salier, nous ne pouvons pas nous prendre des lois qui permettent de nous redresser des situations et contourner ou bien et ensemble des problèmes pour nous venir un pays qui a fonctionné de manière normale. Collègue Sorel, nous devons travailler pour un pays côté que, eh bien, à partir de citoyens de un pays, à travail à faire augmenter la production nationale nous, pour que les des problèmes qu'on s'est posés pour nous corps qui vous permettre problème ça résoudre. Et adresser aujourd'hui à problème qui a passé dans l'école, les collègues, nous tous constatons, c'est une situation vraiment catastrophique. Et il y a un collègue qui saute souligné là, et collègue Grand Avdil, à longueur de journée, au niveau système éducatif PIA, ouais, pour essayer dans la rue. Et des fois, on a essayé de dire, mais pas possible, mais c'est vrai par rapport à la situation, j'en ai vu la pas correct, pour que je dis, il est nécessaire pour que y ait des lois. Même j'en ai fait dans la 48e législature, et pour que nous résoudre, même si ce n'est pas de manière totale, problème au niveau du système de la justice, parce que je dis, c'est l'occasion, ensemble avec collègue Grantal, qui fait proposition ça, pour nous chercher résoudre le problème ça, et à partir des lois définitivement. Merci, merci, président. Mais continuez, président. Allez-y. Je comprends tout collègue. Moi-même, moi toujours dit là, l'on est que c'est forme d'État ou forme d'État. Il y a des prévisions obligées faites pour l'arriver à la tête de l'État pour le bâton de vous. Bon, là, en plus, là, il y a le président de la République, au premier ministre, au ministre des Finances. Même mon pays, ressources quelqu'un là-dedans, là, nous tous plus ou moins au courant. Ce n'est pas inventé, on va l'inventer. Par contre, non, si d'un matin, il y a un miracle, à ce moment-là, il y a des cap parler, nous avons un pile l'or, nous avons un gaz, nous avons un... Deuxième et dernière motion. Président, nous prenons deuxième motion, ça malheureusement sous collègue, non, notre voisin de la grandance, notre frère de la grandance. Et collègue Sorel, si... ou qu'arriver dans la situation inverse et que par rapport à parce que des pays comptent dans des situations beaucoup plus difficiles que le pays d'Haïti et en pile projection faite sous un ensemble de richesses nous gagnons qui étaient jusqu'à présent inexploitées, nous gagnons des secteurs par exemple tant pour tourisme par exemple ou département grand dans ce collectif, si nous arrivons mettre prendre les dispositions pour créer les infrastructures nécessaires pour le département grand. On joue secteur ça qui a bail pays en pile l'argent. Si nous t'apprenons par exemple la question de l'agriculture même au niveau du département de la Grandance, nous t'apprenons en charge, nous disons bon, on n'a pas une grande responsabilité pour nous renforcer le niveau de production agricole, je pense que ça va permettre nous augmenter le niveau PIB pays et ça fait en pile l'argent entrer. Vous avez la souffrance, loi, je vous dis aujourd'hui, où était restreinte loi par rapport à la réalité, je dis que nous disons pays à Baguenkop et vous venez que.
pour venir dans une situation pour exploiter ensemble des richesses. Ça. Parce que la loi n'est pas obligée d'appliquer et de manière intégrale en minute même qu'on prend la loi. Et ça fait nous dire que la loi dispose pour l'avenir. Donc, on met en tête que nous, aujourd'hui, nous constatons une situation pays à vivre qui est très très difficile au niveau économique. Et puis, l'État a pris des dispositions sérieuses. Il dit, bon, moi, à partir de aujourd'hui, j'ai investi dans le pays pour que nous rentabilisions le pays pour nous faire comme. MLS a bien compris pour nous occuper de tout ça. Parce que je dis à moi, ce n'est pas normal, par exemple, pour qu'un enseignant a touché ça, l'a touché. Et je ne dis pas, nous pas qu'à demander enseignant pour le rendement dans les conditions qu'il y a, je ne dis pas. Donc, tout facteur qui vous permet de m'expliquer, nous rentabiliser la question d'éducation pour nous permettre l'économie de nous avancer, nous croyons que je dis à si nous avons voté en loi, nous devons faire projection pour nous dire. Pays a pas prêté dans la situation ça au niveau finance, au niveau budget, au niveau économie. Nous devons prendre un pente qui est plutôt ascendant au lieu que nous avons pensé que nous pourrions aller, nous allons descendre plus bas. Donc là, ça, moi, je crois que c'est garder pour nous garder positivement au lieu que nous avons dit bon, pays a pas gagné comme nous ne devons pas prendre des lois qui permettent que conditions. Et la vie citoyenne et enseignant ou autre professionnel dans le pays a amélioré. Moi, je pense qu'après une telle proposition de loi, nous devons aller sous d'autres lois encore qui permettent conditions de travail, quel que soit citoyen, quel au niveau bien du pour bien public, eh bien, nous sommes capables de permettre de vivre dans une condition qui est optimale, correcte pour permettre. Et que y a rendement qui nous a donné. Merci, sénateur. Sénateur Souel. Président, je vous rappelle, sénateur Bélizer, la loi ou problématique ajustement sur le plan de salaire et sur le plan de renforcement pour améliorer les conditions enseignants, c'est moi qui t'ai mis dans la loi. Les SAM te prend à 8 millions, à 8 000 gouttes. Je dis à Kovle pour Pavle, de gagner prétention pour me doubler, mais il y a 14 000 gouttes. 500. Donc ça veut dire que c'est moi qui te viens avec la 49e, non, monsieur le président. Ça veut dire que le problème enseignant, moi qu'on est, et m'aborder, pas seulement en fait de parole, même à mordre en fait, me toucher hein, en termes d'action, monsieur le président. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas que je ne vais pas remettre enseignant de sortir de 14 500 gouttes jodia pour arriver encore à doubler à 29 000 gouttes. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, je constate, monsieur le président, chers collègues, à chaque fois, l'école n'est pas capable d'arriver à. Nombre de cours de baillot sont problème de salaire. Et à chaque fois dans le pays, et c'est ça qui ralentit l'école là, c'est un facteur tout que l'élève, c'est comme si c'est crochu à crochu l'esprit qui vient sous problème enseignant qui n'est pas vraiment bien formé. Ce n'est pas là mon problème, président. Cependant, en fait, d'homme d'État, jusqu'à présent, pensez-nous tout qu'il a, il y a deux mandats, trois mandats, qui a fait politique longtemps. Budget a jusqu'à présent, il n'est pas jamais arrivé plus que budget, pas même un gros club international. Donc, je ne parle pas arriver. Vous comprenez? Et puis après ça, le même matin, mettez abscès sous clou, problème sous problème. Deuxième bagaille, président, si son PDG, bien l'école. Même j'ai avec le sénateur Bélizer. Choisis faire l'école. Son business, c'est un tout business. Mais président, je ne vais pas mettre tout. Les font rentrer le bon pour moi, mais tout est fils, vous mettez sous l'État. C'est vrai, il faut faire formation. Mais l'école, moi, je ne suis pas capable de dire si j'ai besoin de 50 professeurs, c'est l'État. Bon, 50 professeurs, non. Si j'ai besoin de former, c'est l'État pour former pour moi seulement. Non, ce n'est pas ça que dit, mais c'est à peu près. Et même Bayan en a parlé. Non, président. Non, c'est pas ça. Bon, l'autre motion sur moi encore, président. Non. Bon, l'autre motion sur moi encore. Non, pas qu'à une motion encore sur. Continuez. Donc, chers collègues, on va continuer.
graine. Donc là, sans ça, président, en tant qu'homme d'Acadie, pas homme d'État, mais monde qui aspire quand même. Je dis à mes sénateurs, demain matin, je vais gouverner le pays. Donc, et je pense, quand une intention comme moi, peut-être une intention pour la cacher, moi, vous comprenez? Je ne sais pas qui est l'intention pour me gagner encore là. Non, tu comprends? Bah ouais, qui est intention, vous me gagnez encore là. Est-ce que tu comprends? Bah ouais, ça courait tes encore là. Mais président, mon cher collègue, yo, ma candidat, non, à la présidence. Ok? Donc, les nappes fait bagaille, yo, c'est vrai, nous avons des rêves. C'est bon, il faut rêver. Parce que sans rêve, on ne va pas arriver à la réalité. Là. Mais mes amis, il faut un contenu, il faut nous connaître, le budget qui s'allie. Merci beaucoup, monsieur le président. Président. Sénateur Cantal. Pour moi, dans le même sens que sénateur Bélizer, et pour moi, aller à contre-courant de la position du collègue Sorel, qui est aussi supporteur ou présentateur de cette loi, m'a dit que nulle part au niveau de l'article 5, il n'est fait mention que c'est l'État qui a supporté formation à l'école privée. Toute phrase a une lettre et toute phrase est traversée par un esprit. L'essentiel, il faut bien circonscrire la lettre et comprendre cette lettre. Il faut bien circonscrire l'esprit de la phrase et comprendre cet esprit. Je reprends l'article 5. Les enseignants des écoles publiques et privées, suivant la proposition du sénateur Bélizer, et les professeurs d'université bénéficient de visites de classe soutenues par une aide pour la mise en œuvre d'un plan d'amélioration individuelle. Les professeurs à l'école, là, la fin coup, il y a des inspecteurs qui délégués, et c'est le rôle de l'éducation nationale, pour qu'ils aient des visites de classe. Maintenant, là, il y a fait enseignement de vol pour les faiblesses professeurs au point de vue individuel et puis on mettait au plan, n'est-ce pas, et plan de formation, la plat pour la mise en œuvre de plan d'amélioration individuelle. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. On n'a pas parlé de formation. Monsieur au niveau de l'article 5, on n'a pas parlé, n'est-ce pas, de formation. Sénateur, président, moi, pas intervention, c'est justement parce que texte a beaucoup l'île. Et entre sous là, moi nous dans l'article 5 ans, qui lui-même dit des bagages qui dit déjà dans l'article 5 ans. Après président, je moi, est-ce que nous visons loi sur inspection scolaire là? C'est exactement le motif, le mobile même de la loi sur l'inspection scolaire. Président, est-ce que vous me parlez, président? Quel autre texte? Le sénateur Sénatus a une motion. Quel autre texte? Président, texte sur l'éducation. Gagne un code, je vais oublier qui auteur, qui fait compilation, tout texte qui vient à le système scolaire. Là. Cadeau de nous, c'est bon nom. Et texte, pour vous dire. C'est Delima. Pierre Delima. Qui fait, qui rassemble tout texte qui vient à le système scolaire noir. Moi, je pense que l'étape extrêmement important, puisque le travail n'est pas nous comme parlementaires, ce n'est pas seulement voter textio, mais il faut regarder la revue législative qui existait autour de textio, pour ne pas obliger à répéter ce qui dit déjà. Moi-même, je conseille, président, que nous gardions un peu texte sur inspection scolaire là. Pour nous garder, est-ce que c'est pas une répétition, est-ce que le temps ça a perdu là, est-ce que c'est utile pour nous perdre. Et les viola, nous rien, nous pensons nous qu'à mettre au travail pour nous chercher. Mais ça, le président le dit déjà. Travail inspection, il dit dans le texte de loi sur inspection scolaire là, et mes professeurs qui là, président. Oui, il commence à déjà. Donc, il va être directeur d'école privée. Par exemple, moi connais inspecteur, non, il fait travail, il fait rapport pour regarder est-ce que l'environnement est bon,
Est-ce que Timounio bien Chita? Est-ce que professeur est à la hauteur? Il y a une évaluation. Maintenant, il y a des bagages qu'on a besoin de faire, qui est ce travail de contrôle là, pour regarder est-ce que l'inspecteur fait travail là. Mais pour ce texte, article 5 là, bien précisément, moi-même, moi, quoi, il existe déjà. Sénateur Tantaro. Président, moi, je comprends une démarche, sénateur, sénatrice là, qui a fait une brillante intervention, mais je dirais que premièrement, en droit, l'abondance ne nuit pas. Hein? Et c'est élève sénateur sénatrice moyen, c'est lui toujours Brubidel qui va Brubidel là tout. Monsieur le Président. Non, oh. C'est sénateur Sorel qui va donner la parole, Président. C'est pour qui la parole, Président. Non, ouais. C'est. Président, bon, vous faites une bonne. C'est deux motions, oui. Allez, c'est sénateur Sorel. Je voudrais faire de sénateur sénatrice aujourd'hui, mon porte-parole. Ah, okay. Sénateur. Merci bien. Deuxième motion. Merci deuxième bien. Et dernière motion, c'est intéressant. Il y a une différence entre redondance en droit et une hémorragie législative. Il y a une différence entre deux ça. Je suis arrivé au côté, je suis une hémorragie législative. Je suis arrivé au côté, texte devant, je suis arrivé qui texte pour m'appliquer parce que un texte pas annulé l'autre là parce que vous votez même bagaille. Lorsque l'esprit qui traverse ces textes-là, lorsque psychologie ou du moins philosophie de textes, yo même ou qu'arriver président dans une situation côté deux textes devant, qu'on clause abrogative ou disposition générale là, ou dit cette loi abroge toutes les lois qui lui sont contraires, et ça peut arriver quand on a une loi qui était prêt en vente et que loi qu'on prend aujourd'hui n'est pas abrogée. Et ça que moi-même pense, c'est extrêmement important pour le travail que nous faisons, puisque nous tous nous là pour nous travailler, les cas, pas prendre un rien, nous gagnons texte sous question inspection scolaire là en bas jeune, et tout ça qui t'apparaît comme une répétition pour la hémorragie qui m'a parlé, au moins nous t'a écarté. Sénateur Cantal. Président, ici. Je comprends les préoccupations du sénateur Sénatus, mais ici, on ne peut pas parler d'hémorragie, Président. Je suis médecin, je sais ce que c'est qu'une hémorragie. Je sais ce que c'est qu'une hémorragie. Ici, Président, il n'en est pas question, Président. Premièrement, je répète encore, l'abondance ne nuit pas en droit. Hein? Il ne s'agit pas d'hémorragie, c'est un petit saignement, Président. Et je pense que le collègue va l'admettre avec moi. Puisque quand même, il y a quand même du sang. Quand on parle de saignement, quand on parle d'hémorragie, il y a seulement une différence entre saignement et une hémorragie. Et deuxièmement, Président, je comprends ce que dit le collègue, mais l'idée, l'esprit qui traverse mon article n'a rien à voir avec ce que dit le collègue. Parce que je dis que des inspecteurs vont faire une visite de classe, et j'ai ajouté, Président, dans cet article, de concert avec le ministère, soutenu par une aide pour la mise en œuvre d'un plan d'amélioration individuelle. Je conviens avec le collègue que, effectivement, dans les textes qui parlent, qui traitent d'inspection, on en a déjà parlé, mais il y a quelque chose en plus qu'on a ajouté. Il y a une valeur ajoutée, Président. Et cette valeur ajoutée, c'est que, à côté de cette inspection sera suivie par une aide pour la mise en place, pour la mise en œuvre d'un plan d'amélioration individuelle. Non seulement on va inspecter, mais encore, on va accompagner le professeur qui ne peut pas donner, n'est-ce pas, qui n'est pas capable de délivrer, on va l'accompagner par un plan d'amélioration individuelle. Il y a ce qu'on appelle une inspection passive. Ou aller, ou inspecter, ou faire rapport, ou bail. Mais non seulement l'inspection, ça a, ou faire rapport, mais encore, il y a un accompagnement en termes de formation individuelle pour bail professeur, ça a une volonté, mais qui n'est pas tellement fini qu'on est, pour qu'il produit mieux, n'est-ce pas, la prochaine fois. C'est ça la différence. S'il vous plaît, sénateur Cadeau. Président, je n'ai pas encore terminé, Président. Ah, vous avez terminé? Non, je n'ai pas encore terminé. Bon, il n'a pas terminé encore. Sénateur Cantab, yeah. Toujours à la parole. Moi, comprendre,
moi comprends toujours ça que collègue là dit et il y a une valeur judicieuse, mais président, il n'y a pas de test d'inspection, moi je texte de homme là que tout le monde ouais. Mais au moins, le texte qui traite du contraire le samedi, nous avons venir avec lui comme élément probant là pour déstabiliser ça. Mais c'est évoqué ou évoqué, il dit qu'il y a un texte, n'est-ce pas, relatif à l'inspection, qui traite déjà de la question. Mais jusqu'à présent, ce texte est absent, je ne le vois pas. Alors que mon texte est là, il est bien présent. Donc on ne peut pas soutenir quelque chose, n'est-ce pas, pour lequel on n'a aucune preuve, on n'a aucun élément probant pour combattre, n'est-ce pas, un texte que nous avons qui est à notre portée, président. Et c'est ça la différence. Si le collègue était venu pour président, dire, mon texte là, oui. Au niveau de tel article. Je ne suis pas un président, je vais essayer de venir avec. Vérifier le quorum, président. Vérifier le quorum. Je vais essayer de venir avec. Il y a le collègue Rony. Président, il y a le collègue Rony Célestin qui est allé prendre quelque chose, il va revenir. Termine avec. Fini avec ton oui, je termine, président. Pour dire que, pour combattre, n'est-ce pas, pour combattre un texte, il faut que vous ayez un autre texte. Or, tel n'est pas le cas. Non, pas tout. Hey, quand tu as fait, là, il pas pour faire. Vous avez un texte de loi pour le pays. Et lorsque vous avez un texte de loi. Sénateur Sénatus, vous n'avez pas la parole. Non, pas maintenant, mon moment. Non, sénateur Cantav qui a la parole. Quand tu as un texte de loi, quand tu as un texte de loi, quand tu as un texte de loi, président. Oui, pas tout, président. Moi-même, encourager un collègue qui a produit. Collègue Cantav, nous reconnaissons ça, c'est une nous qui produit. Et c'est ce fait moi-même. Je tiens à ce que je porte appui dans tout le travail que l'a fait. Parce que nous venons travailler pour le pays. Toi aussi, collègue, tu produis beaucoup. Et c'est ce que je t'apprécie, je te soutiens tout. Mais pas de problème comme si on n'a pas le Cantav. Jamais. Pas de problème ça. Cependant, non souci pour nous faire un travail d'équipe qui est beaucoup plus solide, qui est capable de résister au fracas de la Chambre des députés et qui est capable de résister aux critiques de la société civile qui a regardé nous là à travers la télévision, l'important pour mieux vous miser dans la route, nous porter bonne nouvelle. Et mieux vous miser dans la route, nous porter bonne nouvelle. Maintenant, pour le texte, je me dis non, il n'y a pas de problème de messieurs qui ont regardé l'ensemble. Et puis, on a petit ajout pour nous avancer. Mais texte, quand on a l'importance, d'abord, les professeurs nous regardent. Tout le monde connaît moi-même, c'est ça qu'on fait pour la vie, moi. Ça a gagné à l'université, mon enseignement universitaire. Donc, on pensait que c'est pour nous tous. Cependant, il faut être capable de mieux résister et aux tempêtes qui ont fini, qui ont fini de frapper le domicile. Sénateur Cantav, tu as terminé. Oui, président. Moi, quoi que. Très bien. Au vote de l'ensemble, il y a un collègue là qui a continué à chercher sur l'ordinateur, qui a continué Google et la Google texte. Au vote de l'ensemble, il va venir avec l'argument, je suis d'accord avec lui, mais j'aimerais qu'on continue et que le collègue vienne, n'est-ce pas, avec le texte pendant que on a fait ça relayer le vote de l'ensemble. Merci, président. Sénateur Denis Cadeau. Après le sénateur Bélizer et ensuite le sénateur Dumont. Président, vérifiez le quorum. Sénateur. Président, vérifiez le quorum pour nous, s'il vous plaît. Ça, c'est réglementaire. Sénateur, sénateur. Président, c'est réglementaire. C'est réglement intérieur qui dit. Président, permettez un moment. Président, permettez un moment. Président, permettez un moment. S'il vous plaît. Président, nous concluons qu'il y a 6 membres là-dedans. Depuis bien des séances, moi, c'est 2 membres. C'est vous-même avec vice-président qui a fait séance ici. Bureau a allé, bureau a pas présent. Or, bureau a appelé pour le diriger séance nous, pour le diriger travail assemblée. Maintenant, bureau a fait œuvre d'indiscipliné. En d'assemblée, certain. Oui, en d'assemblée, président, on gagne en majorité. Ah, toujours. En majorité. Motion accordée. Motion accordée au sénateur Bélizer. C'est réglementaire, président. Maintenant, mandat en assemblée qui est en majorité. Majorité a plus que 16 personnes. Je ne peux pas qu'il y ait une majorité à mon travail.
qu'on y a demandé pour moi-même tout venir travailler. Madame Chita Tonne n'est venir travailler. Je demande au président pour contrôler pour moi pour homme. Ok. Laissez-moi vérifier. Faites chercher le sénateur. Sénateur Dieupi, chez Roubaix. Descendez, s'il vous plaît. Le sénateur Dieupi, chez Roubaix, est à son bureau. Oui, il est là. Non. Faites chercher. Huissier, allez chercher pour nous le sénateur Dieupi, chez Roubaix. Dans l'intervalle, comme nous ne pouvons pas voter, et ces débats qu'on a fait, nous allons toujours continuer à faire des débats le temps que nous confirmer le quorum 16 là pour nous prendre des décisions. C'est sénateur Denis Cadeau. Merci beaucoup, président. Et président, moi, sur l'article 5 là, moi, apprécier intervention collègue sénatus là. Tout comme m'estimer que réplique collègue Cantavlan y approprié. Cependant, l'homme gardé formulation article là, je pensais que l'état important pour que ensemble nous garder globalement l'article du point de vue sémantique. Et quelque part, yo parlé de visite de classe. Or, visite de classe, c'est un élément dans un processus d'accompagnement. Et moi-même, si collègue Cantavlan t'a d'accord, nous t'es capable de remplacer visite de classe. Président Motion. Il faut pas quitter la proposition. Oui. Je voudrais dire que au collègue Denis que le texte ne m'appartient plus. Le texte appartient à l'Assemblée. Très bien. Donc c'est à l'Assemblée de faire ce que bon lui semble, justement, pour pouvoir bonifier, peaufiner le texte. Et, en place visite de classe. Nous t'apprêtons plutôt de suivi accompagnement régulier. Au lieu de visite de classe soutenue, nous t'apprêtons de suivi accompagnement régulier sur la base d'une relation d'aide. Monsieur le président. Motion pour qui ça? C'est moi qui ai parlé. Motion accordée au sénateur Sénatus. Si vous parlez de ma émotion, il faut passer mes lattes. Sénateur Sénatus, vous avez la motion. Ma fête est fâchée là. Non, va fâcher. Vice-président, s'il vous plaît. Oui, président, en termes de formulation, je pense que. À partir de visite de classe, nous sommes capables de mettre de suivi et accompagnement régulier sur la base d'une relation d'aide et puis nous avons tout à fait ce texte. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Et quelle sera la formulation? Je vous demande la parole. Vrai. La formulation. Sénateur, les enseignants. La formulation finale. Les enseignants des écoles publiques et privées et les professeurs d'université bénéficient de suivi, accompagnement régulier sur la base d'une relation d'aide pour la mise en place de plans d'amélioration individuelle. Voilà. Oui, on dit ça. On dit ça, on sait dire suivi, accompagnement. Suivi slash accompagnement. Suivi slash accompagnement, on peut le dire. L'expression suivi, accompagnement existe. Oui, très bien. Et la formulation dans le contexte, on va connaître suivi Kimbé seulement. Non, c'est ça. Suivi. D'abord. Je ne comprends pas ça, même président. Je ne pas voter une loi, je ne comprends ni. Tu comprends l'article là. Sénateur Dumont. Sénateur Dumont. Il faudrait que. D'abord, Mme m'a dit que depuis la dernière séance-là, moi, très peu intervenu. Parce que, effectivement, sénateur Cantave, tu es femme honneur ça.
il te mandé moins bail point du moins sous texte là, même si par ailleurs gendé aspect la donné on pas dit même avec sénateur Jacinthe, mais gendé parti que on pas songé vraiment que m'était traité yo, ou bien gendé modification m'était proposé, on dirait que sénateur quand t'es d'accord avec sou yo, on dirait pas ouais ou encore même pas de certitude sous point ça. Pourquoi ne pas utiliser MOA? C'est inspection liée. Inspection scolaire, ça c'est un. Kounia, si c'est un autre concept. Monsieur le Président. Ouh, okay. Président, m'a pris un pile motion aujourd'hui. Motion accordée. Dans l'article, ça, Président, et c'est exactement, collègue Dumont parlait d'inspection scolaire là. Et c'était là mon souci. Par rapport. Loi sur inspection scolaire, là, pas même visé. Non, préambule, texte que nous avons analysé. Même visé. Donc, s'il pas visé, ça veut dire, dans la revue que nous avons fait, il est capable de manquement. Et c'est là que nous avons fait appel à sa sagesse pour nous dire mieux vaut nous regarder sa texte pour nous capable d'avancer, pour ne pas tomber dans une hémorragie législative. Moi-même, Président, je vais regarder l'article 5. Je ne sais pas si est-ce que nous avons fait un amendement là-dedans. Même penser son article qui a mis l'État dans le problème. Son article qui a bouleversé l'État. Parce que, moi, collègue a dit là, enseignant école publique, nous avons sénateur Bélizer qui a dit qu'il faut mettre privé tout. Il a parlé des questions professeurs des universités régionales. Non. Mais est-ce que. Changé. Changer. Oui, ah bon, allez, non. Il y a eu des modifications entre temps. Tout bail. Sénateur Dumont. Modification, on dit, bail ou non. Pour ne pas parler sous. Sénateur Kantav, des modifications au niveau de l'article 5. Une nouvelle lecture. Les enseignants, amendé. Les écoles publiques et privées et les professeurs d'université. Et j'ajoute que même si. Il en a plus souvenance, notre collègue Dumont, c'est lui qui a ajouté le mot professeur. Parce que avant, j'avais seulement parlé des enseignants, mais il m'a convaincu, n'est-ce pas, puisqu'il est professeur, qu'il y a un écart, il y a une démarcation, il y a un fossé entre professeur et enseignant. Et j'ai ajouté pour lui professeur, n'est-ce pas? Donc maintenant je crois que sa mémoire lui revient, n'est-ce pas? Donc les enseignants, les écoles publiques et privées, et les professeurs d'université bénéficient de visites de suivi, accompagnement régulier sur la base d'une relation d'aide pour la mise en place de plans d'amélioration individuelle. Voilà. Non, allez-y, sénateur et Foucault. Collègue Cantave, il ne sera pas préférable d'ajouter des écoles et des universités, publiques et privées, au lieu de répéter à la fin, parce que moi je suis d'accord avec le collègue Bélizer pour généraliser la cause. Est-ce que dès le commencement, on ne peut pas mettre des écoles et des universités? Merci. Maître, continuez, Président. Merci beaucoup. D'accord. Donc, la chose porte son nom. Sénateur Kado, j'ai envie de dire, confrère Kado, rappelez-moi là, depuis quelque temps, nous pas utiliser le concept inspection. On parle de supervision pédagogique. On parle de suivi accompagnement. Oui. Suivi accompagnement, peut-être que l'idée de l'administration en général. Mais dans la nomenclature de l'administration scolaire, il y a parlé de supervision pédagogique. Ça, c'est Youn. Donc, nous n'avons pas besoin de visite.
Deuxièmement, si on parle de l'université, qui est-ce qui peut rendre professeur universitaire visite là? En tout cas, qui peut le superviser là? Puisque normalement, à l'université, doit travailler comme, donc, c'est un universitaire, son monde qui a un doctorat. Oh, c'est résident. Allez-y, c'est à toi, Katan. Premièrement, m'a dit que mon visite là, la formulation collective doit retirer. Donc, mon visite là, il n'est pas qu'un hein? Et deuxièmement, m'a dit, président, que c'est pas toujours vrai que au niveau de l'université, c'est un doctorat. C'est une maîtrise qui enseigne. Là, on n'a pas qu'une université. Même public, c'est une licence qui enseigne là-dedans. Là, il n'y a pas qu'une université couverte, par exemple, en province. C'est un peu une licence. C'est à toi. Justement. Non, écoutez. Oui, mais. Écoutez, même pour finir. Président, j'ai la parole, président. J'ai la parole, président. J'ai la parole, président. Sénateur Sorel, vous n'avez pas la parole. Sénateur Cantable, continuez, oui, s'il vous plaît. Mais pour qui ça, et collègue Sorel a stigmatisé, président? C'est une forme de stigmatisation, président. Moi, je dis que, dans plus d'universités,